Bonjour tout le monde. Bonjour. Formidable. C'est pas grave, alors déjà, primo on se retrouve dans mon salon, deuxio je suis complètement malade, donc je parle du nez, je m'agorge et tout ça. Et tertio, voici Thibaut. Hey, enchanté à tous. Voilà, quand même, pour répondre à vos questions, non c'est pas mon copain, c'est juste un super bon pote à Félix et moi. Voilà, tout simplement. Que vous avez vu sur mon Instagram. Voilà, oui, exactement. Et que vous allez voir, sans doute, beaucoup plus souvent. J'espère. Normalement, oui. Bon, heureusement. Je sais pas, après. Voilà, voilà, du coup, c'est un nouveau pote que je vous présente sur ma chaîne. Parce qu'en plus, ça fait longtemps que j'avais pas invité d'amis sur ma chaîne. Oh, bah écoute, je suis une toute première, tu vois. C'est ça. Bon, là, il est un petit peu coupé parce qu'on l'a cadré pour faire le truc. C'est pour ça qu'il va pas être... Faut que je me baisse. Voilà, c'est bon. On a l'air un peu con comme ça. Mais, on entend plan, tu vois. Attention. Enfin bref, et aujourd'hui je vais le défier en Fimo, à savoir qu'il n'en a jamais fait. Donc ça sera un petit peu de la triche en soi, mais bon. Après. Bah c'est un défi quoi. Tricheuse. Moi je suis tricheuse, non n'importe quoi, mais je vais t'aider à faire les trucs, ça va, on fait pas une compétition. Oui maman. Bon. En clair, aujourd'hui on va faire des Pokémon parce que. Je suis un grand fan de Pokémon. Et je l'assume entièrement. Voilà, genre si vous allez voir dans sa chambre, mais il y a des Pokémon partout, 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 partout. Chut. Non, pas chute. Mais si, non, je connais. Voilà, c'est un très très grand fan de Pokémon, du coup, je vais le défier sur ça, donc on va faire des Pokémon. Et j'espère que ça va vous plaire. Et bah du coup, on va passer à la vidéo. Donc justement, je t'explique. Alors là, t'as une boîte de Fimo, c'est mon énorme boîte de Fimo ouverte. Voilà. Plein de couleurs, tu peux prendre les couleurs que tu veux, chaque couleur peut se mélanger entre elles, etc. Ok, ok, c'est nickel. Parfait. Donc on va commencer. Pour le premier Pokémon, t'avais envie de faire... Comment un électoplasma. De je vous mettrai une image là, peut-être. Ou là, ou là. Sur sa tête. J'aurais dû ramener un masque, tu vois, comme ça au moins. Oh, voilà, donc on va essayer de faire ce Pokémon là. Je vous le mettrai en petit dans un coin pour que vous l'ayez. Et voilà, donc du coup, moi, enfin, si on regarde là, c'est qu'on a l'ordi justement pour bien faire. Et voilà, du coup, on va passer à la couleur. Du coup, quelle couleur tu veux? Alors, moi, je voudrais s'il te plaît du violet. Donc, j'aurais proposé ce violet là. Donc voilà, en fait je voulais absolument aussi faire donc un Pokémon parce que donc c'est la sortie de la seconde génération de Pokémon Go. Donc voilà, je me suis dit que ça serait une super bonne idée. Voilà. Alors donc oui, donc je n'ai jamais fait de ma vie de Fimo, mais j'ai souvent regardé donc les petites vidéos de Maeva et voilà. Oh, c'est trop gentil. Donc je vais essayer de faire un truc bien, mais entre le dessin et ça c'est différent. Donc le violet, en gros ce sera la base. Ok. Donc la base, on va commencer par une boule parce que tout commence par une boule et de toute façon c'est une bouboule. Ouais. À peu près. À peu près. Avec des bras et des jambes. Des oreilles. Attends, je prie. Le hibou. Il est chelou hein, mais vous allez vous habituer. Ou pas mais... C'est pas cool. Et là du coup on va rajouter genre ce qui est oreilles, bras, jambes, tout ça tout ça. Donc là t'en as, on va faire des oreilles. Donc pour faire les oreilles, faut faire deux petites boules qui sont proportionnelles. Tu vois, c'est proportionnel le truc là. Ouais, on va dire ça. Et après on va donner la forme. C'est pas ça va finir en Hello Kitty. Ça fera même plus avec le plasma. Non t'inquiète. Faut deux boules de la même taille. Non, ça sent en plus elle est douée donc tu vois. Ouais, enfin en Pokémon, je fais pas de Pokémon moi d'habitude. Tu fais quoi? Ah oui, tu fais des gâteaux. Oui, moi je fais des gâteaux. Bah, c'est une toute première. Mais tu vas faire les oreilles. Donc tu vois, c'est un peu en forme de cône. Ok. Donc là, tu vas faire un cône en fait. Tu vois, tu vas juste à côté. Ok.
Et pas l'autre. Juste à côté. On va chauffer la bouboule. Donc résultat, voilà, donc on est actuellement en train de faire une boule avec deux petits pics pour les oreilles. Voilà, donc c'est parfait. Et là, pour lisser, tu peux t'aider... d'une brosse à dents. Non. Et il est soigné, hein. Soigneux. Et pour faire ces petites papates. Oui. Il a fait une grimace. Non. Comme ceci. Ouais, à peu près. Donc bah t'obtiens un truc comme ça. Parce que ouais, j'ai des gros doigts. Tu veux que je fasse? Mais c'est pas bien là. Bon, ok, vas-y, vas-y, attends, fais-le, j'ai des gros doigts, j'ai des trop gros doigts. C'est pas une excuse ça. Non. Et c'est attends, mets ta main à côté. Juste pour. Bon bah écoutez les gars, elle a une troisième main, je sais pas comment ça se passe. Bon là tu la vois même plus là. J'ai des gros doigts, bon. Durée des bottes. Les bottes violettes, t'inquiète. Voilà. Parfait, maintenant t'as plus qu'à les mettre dans le truc que t'as fait. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Sachez que je n'ai rien dit avant, hein. Le truc qu'il vient de faire pour assembler l'oreille au corps, c'est lui tout seul qui a trouvé. Hein. Et c'est une très bonne base que tu as eu. Très bon réflexe de lisser la patte au truc. Ça rentre bien. Ouais. Tu me donnes envie de faire des Pokémon. Ah ouais, mais tu sais que c'est trop trop beau. Enfin, je vais pas dire genre des Pokémon en filmo, mais c'est une super bonne idée, ça. Plus après, tu peux les vernir un peu plus bas. T'es sûr que tu veux pas les faire cuire tes oiseaux? C'est une blague, c'est une blague, c'est bon. On touche pas les oiseaux. Bon, je vous préviens par contre, c'est très compliqué à faire malgré tout. Donc il faut beaucoup de munitions, il faut beaucoup de motivation aussi. Mais aussi, autant pour moi. Donc voilà, je fais en même temps une petite dédicace à Corentin, qui donc carré ectoplasma et son Pokémon préféré aussi. Donc c'est pour ça. Okay. Alors, c'est mignon. Maintenant, donc, on en est à là. Et donc, maintenant, on va mettre les cheveux. Alors, voilà. Ça, les cheveux, ça sera la chose la plus compliquée. Donc là, on a mis... Bah, il reste plus que les cheveux en violet. On a mis ses bras, ses jambes, sa queue, ses oreilles. Et du coup, bah, là, j'ai fait trois petits cônes pour les mettre sur sa tête. Mais attends, oui, mais comment c'est... tu peux mettre un tu veux que j'essaie aussi petit? Commence par le gros. Comment... j'arrive même pas à le prendre avec mes doigts. Tiens, si tu veux, je les mets. Ok, donc là, puisque le violet est terminé, on va passer un coup de lingette. Celle-là, elle est sèche, puisque c'était la première. Donc avec des trucs pour bébé. Voilà, donc elle est pas très très mouillée. Mais en gros, ça, là, tu passes tranquille, genre tu caresses, et tu vois, ça lisse un petit peu. Tu vois là? Ah oui, alors le fraté, ça c'est juste nickel, donc pour les petits porte-clés, vous faites ça, c'est nickel, enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais... Voilà, donc là, on va le faire cuire, on se retrouve juste après pour faire les dents, on va le faire au stylo,
Voilà, et on se retrouve bah, juste après la cuisson du coup. Re tout le monde, toujours aussi malade, et après la demi-heure de cuisson, voilà le petit... comment tu l'appelles déjà? Pokémon déjà. Non, Electoplasma. Voilà, et maintenant on va lui faire ses dents. Enfin, tu vas faire les dents. Ok, vas-y. Donc c'est trop compliqué, c'est pas très... Ok, ce n'est pas très compliqué, on y arrive. Là t'as deux marqueurs, s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, tout simplement. Bon bah écoutez... S'il y en a un qui fonctionne mal, tu prends l'autre. Faire, mais... Et tu vas faire, bah t'es prêt. Enfin, tu vas dessiner dessus quoi, enfin, tu fais des traits des dents. Par contre, tu vas tout doux, hein. Tu vas mollo. Ok, ok. Alors, à quoi ressemble le Electoplasma. Alors, donc voilà à quoi ça ressemble en 3D. Regarde, on aurait dit une vraie petite figurine qu'on a genre dans les petits distributeurs avec les boules. Donc ça, voilà, donc je rappelle quand même que c'est la première fois qu'il fait une créa en Fimo et franchement elle est trop belle. Il n'y a plus qu'à faire bah, tous les autres. Voilà, donc bonne chance les gars pour faire tous les Pokémon. Bon bah voilà les gars, si vous voulez d'autres tutos, j'allais dire non, mais des tutos Pokémon en général, bah dites-le moi. Et je vous spoil, parce que samedi, il y aura un autre cupcake Pokémon que vous m'avez beaucoup demandé. Lequel? Lui il le sait, mais moi je vais pas vous spoiler quand même, la vidéo elle sort dans 2 jours, vous pouvez attendre. Enfin 3, jeudi, vendredi, samedi, oui, 3 jours. Voilà, comme ça je vous ai spoilé un petit tuto, n'est-ce pas? Et donc voilà. Oups, tiens, cadeau. Merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc merci d'être venu sur ma chaîne. C'est un plaisir. Voilà, et vous pouvez le retrouver sur sa page pro parce qu'il est acteur, comédien, modèle. Photo. Ouais, modèle photo. Voilà, voilà, donc je mettrai le lien de sa page en barre d'infos. Voilà, voilà. Et il faut l'encourager parce qu'il veut se lancer une petite chaîne de Pokémon. Voilà, exactement. Donc, pour tous les fans. Mais il hésite encore, tout ça, tout ça. Pour tous les petits fans et tout, j'aimerais lancer une petite chaîne YouTube Pokémon, même j'espère une grande chaîne. Et donc, qui sera peut-être en partenariat avec Miss Creative, donc pour faire des petites figurines comme ça. Trop d'honneur. Voilà. Donc voilà, si jamais ça vous tente, excuse-moi, je t'ai coupé. J'offrirai peut-être à quelques-uns de mes abonnés. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des Pokémon et tout ça, faut l'encourager parce qu'il hésite encore, même si j'arrête pas de le saouler pour faire ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Voilà, du coup, en attendant, je fais pas un gros bisou, je mettrai sa page, sa chaîne, si d'ici 3 jours je réussis à le convaincre, en barre d'infos, tout ce qu'il faut, tout ça. Si vous voulez le revoir dans une vidéo, n'hésitez pas à me dire sur la barre de commentaires, saouler un autre truc Pokémon, bref. Voilà quoi, vous connaissez la chanson? Voilà. Mettez un petit pouce bleu. Non, ça je par contre je dis pas. Toi t'es comme Félix. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, les fratés. C'est là. Ou là, je sais pas c'est de quel côté, j'en sais rien, je le fais jamais. On se fait. Non. Ok. Du coup je fais pas mal de gros bisous, on se retrouve bientôt. Donc voilà, bisous. Salut fratés.